Tu n'as pas vu qu'elle pleurait? J'ai dit non, je ne me suis pas rendu compte. Mais tu as détaillé toute sa vie. Écoute-moi, il est de ces personnes-là qui ne seront convaincus que lorsque tu entreras dans sa chambre, tu lui diras les choses qui sont à côté, à gauche, à droite, ce qu'il y a en dessous du lit, ce qu'il y a sur les plafonds, les écritures que l'enfant avait égratignées sur les murs. Quand tu lui auras donné les détails, la personne dira: assurément, Dieu est avec cet homme ici. Et je crois. Ce n'est pas pour le besoin du spectacle. C'est pour démontrer à la personne, premièrement, que Dieu les connaît. Deuxièmement, que le Seigneur, ce qu'il va dire dans le futur, puisqu'il connaît le passé, il maîtrise le futur. Donc, dis un amen bien. Dis un amen bien. Amen.